La première saison de The Last of Us diffusée sur HBO Max a rencontré un grand succès et la saison 2 est très attendue. Nous avons pu suivre les aventures de Joël et Ellie. Ces deux personnages tentent de survivre dans un monde post-apocalyptique. Il est impératif pour eux de traverser le pays afin de retrouver les Lucioles, un groupe rebelle qui pense pouvoir guérir l'humanité grâce à l'immunité d'Ellie. Tout au long de leur périple, ils interagissent avec des personnages qui pour la plupart meurent directement dans l'épisode dans lequel ils ont été introduits. On a pu rencontrer Bill et Frank, un couple allié de Joël, dans l'épisode 3 de la saison 1 pour l'éternité. Cet épisode se base sur la relation du couple. Frank étant malade, le couple décide de mourir uni en mettant fin à ses jours. De plus, Joël et Ellie rencontrent dans l'épisode 5 de The Last of Us, quand la peur prend le dessus, Henry et Sam. Les deux frères, poursuivis par les partisans de Kathleen, tentent de s'échapper. Kathleen est à la tête d'un groupe de révolutionnaires. Suite à l'assassinat de son frère, elle lance une vendetta et cherche à tuer Henry et Sam, qu'elle tient pour responsables. Cependant, Henry a dû tuer Sam. Ce dernier s'est fait infecter pendant leur fuite. Henry, lui, s'est ensuite suicidé, laissant nos deux personnages principaux à leur propre sort. Mais qu'en est-il de Kathleen? Elle se fait tuer, elle aussi, mais par un infesté. The Last of Us, Joël et Ellie seront-ils dans la saison 2? Dans la saison 2 de The Last of Us, nous retrouverons des personnages qui sont récurrents comme Tommy, le frère de Joël interprété par Gabriel Luna et sa conjointe Maria, jouée par Rutina Wesley. Dans la saison 2, Tommy décidera de partir aux côtés d'Ellie. On retrouvera aussi Abby, jouée par Laura Bailey. C'est une infirmière que l'on voit dans le dernier épisode. Même si elle n'a pas d'impact important sur l'intrigue, c'est un caméo que l'on risque de retrouver dans la saison 2. La première saison se terminant par la réunion de Joël et Ellie, on s'attend à les revoir dans la saison 2. D'après le co-créateur, Craig Mazin, la partie 2 du jeu The Last of Us pourrait être adaptée en plusieurs saisons. D'ailleurs, dans le second opus, Joël ne survit pas. Cependant, nous le retrouverons dans la majeure partie de la saison 2. Lors d'une récente interview accordée à The Independent, Bella Ramsey, qui reprend son rôle d'Ellie dans la prochaine saison, a averti les fans de la série qu'il allait devoir s'armer de patience pour le second volet de The Last of Us. Il ne devrait pas être disponible avant 2025, elle sortira dans un moment. Je pense que nous tournerons probablement à la fin de cette année, voire au début de l'année prochaine. La saison 2 sortira donc probablement fin 2024, début 2025. Step up.